Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Allô? Alice Wendler, oui, bonjour, monsieur. Oh. Oui, je vous écoute. Attends. Vous êtes sociologue? Oui, mais enfin, franchement, je suis à la bourre et... De la recherche pédagogique expérimentale. Non, non, écoutez, je suis pas courte, mais je viens d'arriver et... Bon, attendez, laissez-moi prendre mes marques. Bon, si vous êtes là, j'ai pas rendu chez Zara. Là, là. Tu veux que je le tire? Merci, je fais des commissions moi-même. Appelez mon secrétaire, Guillaume. En plus, vous êtes pressé. Vous n'appelez pas Monsieur Danton. Waouh, s'appelle comment? Cristalline. Ça jette, hein? J'en ai trouvé à couture qui tourne pas. Voilà le rayon lingerie. Toi, si ma mémoire est bonne, t'as pas toujours craché sur la dentelle. Le lieu est-il bien choisi, hein? Fais pas comme moi, n'épouse jamais un conseiller principal d'éducation. Pas de risque. C'est pourquoi je ne saurais trop recommander aux éducateurs de partager à la cantine le repas des élèves. On se les tape matin et soir, et maintenant on nous recommande en plus de se les taper à midi. Très peu pour moi, j'ai encore le droit de faire salade à part. Notez que nous ne sommes plus des professeurs, mais des éducateurs. Le niveau monte. Parfaitement, il monte. Quand nous aurons enfin de véritables équipes éducatives, on pourra... Gardez votre jargon branché pour vous, petit Vincent. Nous nous appartenons à une génération qui ne recrutait pas ses proviseurs parmi les gymnastes. Vous savez ce qu'il vous dit, le gymnaste? Ah, du temps de Valentine. Oui, et ben c'est fini, le temps de Valentine. Et il va bien falloir vous y faire à la nouvelle. Et qu'est-ce qui vous arrive, le qui est vous oubliez de râler en cœur depuis que vous publiez, mon cher, on ne vous entend plus. Pardonnez-moi, Daniel, mais je crois que mes petites aventures littéraires me distraient de mon devoir. Depuis que son roman figure sur la liste des succès d'automne, monsieur Lequier délaisse nos misérables querelles. Notre Flaubert est prié de partager sa semoule avec la clientèle pour raisons éducatives, comme tout le monde. Et des... Oh, allez, les filles, on y retourne. Hein. Le jeu de jambes, Guillaume, le jeu de jambes. Moi, avec Valentine, on cavalait pas comme des malades. Hein. Ah oui, mais avec Valentine, tout était parfait. Mais forcément. Sauf que je ne suis pas Valentine. Ça viendra? Non, ça ne viendra pas, Guillaume. Parce que elle, c'est elle, moi, c'est moi. Il va falloir vous connaître dans la tronche. N'empêche, vous voyez tous ces élèves-là? Ouais. La Valentine était pratiquement capable de nommer chacun d'eux par son nom. Ah oui? Et moi aussi, j'aimerais beaucoup faire ça. Sauf que depuis le début de la rentrée scolaire, je suis la tête dans les paperasses. Le rectorat, l'inspection d'académie. Ah, ils veulent des proviseurs-managers. Ouais. Ils les ont. Moi aussi, j'aimerais avoir du temps à consacrer à mes élèves. Tiens, bonjour. Je peux vous parler dans la journée? Oui, absolument. Bah, au moins, vous avez décroché votre emploi jeune, hein. C'est pas mal. Bah, il est bien, ce David, d'ailleurs. De mon temps, on appelait ça un pion. Hein. Ah, nuance, Guillaume. Un emploi jeune, maman, ça sert à tout dans un lycée. Soutien scolaire, animation, tout ça. Ah oui, d'accord. Bah, alors là, je comprends mieux. Ah, bah, tiens. Merci de me préciser. Alors, vieille branche, frappe-le avant d'entrer. Mais j'ai frappé, vieille branche. Bon, là je deviens sourdingue. On va pas faire un plat. C'est la vie. Je trouve que tu abordes le troisième âge dans une forme olympique. Mais je t'emmerde. On te verra dans 10 piges quand t'auras mon âge. Je te signale que c'était un compliment. Et oui, la malle, le petit mignon qui est sur le pas de la porte. Entrez, jeune homme. Enfin, il a mal nulle part, enfin, j'espère. Bon, Nelly, je te présente Guillaume. Bonjour. Mon secrétaire. Guillaume, je vous présente Nelly, ma vieille copine infirmière. Ex-baroudeuse de l'humanitaire, Somalie, Rwanda, etc., etc. Excusez-moi, Guillaume, je vous avais pris pour un élève. Vous non plus, vous ne faites pas votre âge. Comment ça, moi non plus? Il est né comme ça, on lui a marché dessus.
Bon, arrête, tu deviens désagréable. Bon, bah, je crois que je vais vous laisser. Non, attendez. Autant devenir pote tout de suite, hein. Je vais faire un quart de temps dans ce bahut. Je sais écouter les chagrins d'amour comme personne et j'ai pas ma pareille pour les massages du tout. Et donc, t'as fini de draguer, toi? Bon, il est beaucoup trop vieux pour moi. Ah, madame est pédophile. Bah, dites donc, Guillaume, vous croyez où? Pardon. Mathilde, arrête. Mais arrête, merde. Tu vas encore te faire jouer. Ils t'ont dit non, il faut que tu l'acceptes. C'est les profs qui décident, c'est leur droit après tout. Écoute, tu fais chier tout le monde avec tes caprices. C'est pas un caprice. Et ça rime à quoi de t'installer dans une autre classe que la tienne? Et c'est pas un self-service, le bahut, hein. Ouais, mais on m'a volé ma chance. Tu vois, dans un tribunal, j'aurais droit à un avocat. C'est pas comme ici. Eh ben, je vais me défendre toute seule. Je vais quand même pas aller en L juste parce que je suis une fille. Parce que t'es une fille? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et puis qui t'a volé ta chance? Oh, si tu voulais passer en TES, t'avais qu'à moins déconner l'année dernière, hein. Et Tong alors? Quoi, Tong? Eh ben, il était pas meilleur que moi l'année dernière. Et pourtant, il est en TES. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ouais, je réponds que t'as peut-être pas tout à fait tort. Mais bon, le monde est comme il est. Et c'est pas toi qui va le changer, Mathilde. Je m'en fous, j'essaye. Peut-être de l'art. Arrête, je vais avoir l'air d'une dingue. Tout le monde sait déjà à quoi s'en tenir. C'est un statut provisoire, David. Vous y avez bien réfléchi? Ah non, mais c'est clair. Moi, mon truc, c'est la musique. Emploi jeune, ça me permet de voir venir. Madame, est-ce que je peux vous parler d'un truc qui est peut-être pas une bonne idée? Quoi donc? Bah, vous savez, la circulaire conseillant aux profs de déjeuner avec les élèves. Moi, quand j'étais élève, la cantine, ça me permettait de vider mon sac sur les profs. Mais loin des profs. Alors si maintenant ils doivent déjeuner ensemble... C'est une suggestion, David, pas un ordre. J'en ai connu des têtes de mule, hein, mais celle-là, c'est un record. Hein. Vous parlez de Mathilde Collioure? Évidemment. Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Le mode d'emploi, ce serait trop demandé? Ah, excusez-moi, madame la proviseure. Non, Alice, s'il vous plaît. Non, non, pas de protocole au sein de l'équipe pédagogique. C'est une fille de TES. Enfin, non, elle n'est pas en TES, elle est en L. Attendez. Elle est en classe de terminale économique et sociale ou elle est en terminale littéraire, cette fille? Justement, c'est ça le merdier. Monsieur le conseiller principal d'éducation, s'il vous plaît. Pardon, madame la... Alice. Voilà. Mathilde Collioure estime qu'on lui a injustement refusé l'an dernier le droit de passer en TES. Ah oui, elle a été orientée en L. Mais elle s'obstine depuis la rentrée à se présenter au cours de TES avec ses anciens camarades. Alors moi, je suis la reine des pommes, je suis au courant de rien, ça? Non, mais franchement, je pensais pouvoir gérer ça tout seul, moi. Ah. J'ai écrit un courrier aux parents pour la signaler absente de Terminale L. Et alors? Eh ben, et alors, c'est le bide sur toute la ligne. La gosse n'en démord pas, les profs, ils sont emmerdés, et les parents, ils répondent pas à mes courriers. Vincent, pour vous, ça sert à quoi, une proviseure? À compter les gommes et les crayons? À expédier au rectorat le formulaire 37 terre de couleur bistre? Non, parce qu'il est de couleur bistre, hein, Vincent. Ou bien recevoir l'autre Charlot, là... Monsieur Danton. Monsieur Danton, voilà. Qui veut se livrer à des expériences d'évaluation statistique dans le lycée, vous saviez ça? Non, Vincent, si j'ai choisi de monter en grade, c'est pour m'occuper des élèves. Alors, la nommer... Collioure Mathilde. Oui, ben je sais, je n'ai pas la mémoire de Valentine, ça va, ça fait 50 fois qu'on me le dit. Bon, alors, la petite Collioure, là. Collioure? Oui, ben je vais voir ça de plus près. Allez, sortez-moi son dossier. Et l'éditeur de Lequier. Oui, qu'est-ce qu'il veut, l'éditeur de Lequier? Passer en terminale littéraire, c'est ça? Non, il est à la loge, il cherche Lequier. Bon, bah, occupez-vous-en. Allez, moi, j'y vais. Bon, alors. Oui, c'est ça. Mathilde Collioure. Donc. Alors. C'est bien, oui, c'est ça, Mathilde. Oui, d'accord, alors. Je disais donc. Qu'est-ce que je disais déjà? Apollon, monsieur, tout ça. Ah oui. La correspondance est donc évidente entre l'esthétique apollinienne et l'idéal athénien du 5e siècle. L'équilibre éthique et l'équilibre esthétique se rejoignent donc dans un souci d'harmonie. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Moins 25. Courage, ça se tire. Ce que le grec du siècle de Périclès qualifie de kalos kagatos, indissociablement beau et bon. Vous êtes toujours là, vous? Le rejet du désordre n'en est pas moins accompagné d'une vraie tolérance. Allez, du balai. Mais monsieur! Ça va, monsieur. Laissez-la, elle gêne personne. Laisse, Nicolas, laisse. Et cette tolérance ne connaît qu'une limite, la mesure de l'homme, la proportion raisonnable, la proscription de l'emportement dionysien. Allez!
Monsieur Lequier, votre éditeur vous attend au parloir. Bah non, mes affaires. Suite. C'est pas votre classe. Merci. Si c'est ma classe. T'es vraiment chiante. Quand même, le roman d'un collègue dans la dernière sélection du Goncourt, c'est quelque chose. D'ailleurs, bon, vous trouvez que c'est un titre, vous? Ah, moi, c'est sûr que j'achèterai pas. Vous ne serez pas un tout petit peu jalouse, Daniel? Oh, pour le moins du monde, j'ai ouvert le livre, figurez-vous. Ça sent beaucoup, la littérature appliquée. De prof, quoi. Enfin, le qui l'a trouvé la sortie, il n'aura pas besoin de compter ses trimestres pour la retraite. Alors là, je suis jaloux. D'amour, il y a de quoi si c'était que moi, j'arrête. Bien sûr, c'est une histoire d'amour. Adieu la cantine populaire. Le métier d'enseignant, c'est une histoire d'amour. Oui, bien sûr, c'est le plus beau métier du monde. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci, messieurs. Au revoir. Mademoiselle, bien, notre prochain rendez-vous, c'est là. Je te raccompagne un peu. Tu crois pas que tu m'accompagnes un peu trop en ce moment, Nicolas? À deux, on est plus fort. Ouais, bon, moi, je parie que je suis plus forte toute seule. À demain. Mademoiselle Colliot? Oui. Mathilde Colliot? Oui. Je voudrais vous voir dans mon bureau. Il va falloir qu'on s'explique. Quand vous voulez, madame. Bon, bah demain, nous aurons un problème urgent à régler. Madame, je suis pas faite pour la section L. C'est pas juste qu'on m'oblige à y rester. Nous en parlerons demain avec vos parents, d'accord? Je voudrais les voir tout à fait cessantes. Je leur dirai. Au revoir, madame. Au revoir. Elle a raison de tenir compte. Ok, garçon, dira. En tout cas, moi, j'ai envie qu'elle reste. Bon, allez, c'est vrai. Bonjour, Ali. Salut, Ali. Ali. T'as entendu parler de l'économie de marché? Bonjour quand même, c'est gratuit, hein. Bon alors, si tu voulais savoir sur l'économie de marché? Alors, il y a de la concurrence dans l'air, va falloir que tu casses ta marge, Javi, hein, parce que Jambe d'Acier, elle est en train de nous installer un petit foyer sympa, avec des consos, des prix juniors... Jambe d'Acier, a trop bien vu, hein. Merci, mon prince. Hé, Guy, là, franchement, elle est pas un peu de ton bord, Jambe d'Acier? C'est qui, Jambe d'Acier? L'improviseur. Si tu l'avais vu shooter dans le ballon, un vrai clone de Zidane. Mais grave. C'est très très con un hétéro. Dès que ça voit une nana shooter à peu près correctement dans un ballon, c'est une lesbienne. Et un mec qui risque d'avoir le concours, c'est pas forcément une flèche non plus. Hey, moi, c'est la première fois que je vois un mec se faire interviewer. Pour de vrai, quoi, je veux dire. Non. Moi, je vais prendre pareil que le fort antenne. Attends, tu sais ce qu'il dit, le fort antenne? Bon, stop. Sérieux, faut qu'on parle, là. Qu'est-ce qu'on fait pour Mathilde? Comment il l'a traité, le quai? En fait, Mathilde s'est fait intercepter tout à l'heure par la proviseur. Il a dû la démolir, le quai. Et depuis qu'on le prend pour Victor Hugo, son avis, c'est parole d'évangile. On dit plus proviseur, hein. On dit jambe d'acier. Non, fais pas chier, Guilin, j'ai pas envie de rire. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour Mathilde? Moi, je veux bien bosser avec elle pour la mettre à niveau. Attends, c'est toi qui fais chier, Nicolas. Nous, on n'est pas amoureux, on voit les choses comme elles sont. Bon, ok, il est un peu hard, le quai, je reconnais. Mais t'as Mathilde aussi. Il est vraiment temps que Jambe d'Acier fasse quelque chose pour cette histoire. Bien sûr, mais bravo, c'est beau la solidarité féminine, bien. On a un bac à la fin de l'année, Nicolas, c'est clair. D'un autre côté, on peut pas laisser tomber Mathilde. C'est clair. Mais Mathilde, elle, ce qu'elle pense à nous, elle s'en fout de nous. T'es injuste. Le pape l'a barré l'année dernière, pourquoi faudrait qu'elle accepte? Attends, arrête, le pape, il était cool. Attends, moi je trouve ça con qu'il ait pris à sa retraite. Ouais, il était cool avec toi, peut-être. Attends, ça veut dire quoi ces sous-entendus, là? Bon, allez, plutôt que de flipper, vous écoutez, vous bouffez le nez, moi je vais me faire un flipper. Ah, j'en suis. Quel la vire. Après tout, c'est son boulot, Jambe d'Acier. Je rêve, Mathilde, c'est la seule d'entre nous qui sait quoi faire de sa peau et toi tu veux la virer? Tu me fais gerber, Marie. Allez, calmez-vous. Mais c'est vrai que tu tentes Valentine, hein. C'était pas possible qu'une élève fasse sa loi. Bonjour. Non, non, vous dérangez pas. On file? C'est un miracle, ma voiture a accepté de démarrer. J'arrive, maman. Maman? Au fait, je vous présente mon fils, Augustin. J'ai préféré qu'il fréquente le lycée voisin, lui aussi d'ailleurs. Bonjour Augustin. Désolée de partir comme une voleuse, mais on est vraiment en retard. Augustin, on y va? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bon, on n'est pas dans la merde. Ouais, enfin, autant que Jambe d'Acier soit au courant de ce que je pense pour Mathilde. Mais tu penses qu'à Mathilde, c'est pas possible, elle a un gris-gris à mec ou quoi? Bon, ça va, c'est bon. J'avais Kamel sur l'aile. Non mais, tu plaisantes, Kamel, il était à 3 mètres derrière toi. Allez. Aïe, merde, putain. Oh,
Il a vraiment du mal face à C'est pourquoi C'est mon père, il rentre qu'après-demain. Il a oublié de me laisser les clés de la boîte aux lettres. Écoutez, mon petit, il faut être raisonnable. Laissez vos camarades travailler en paix. Je ne dérangerai pas, madame. Je suis là pour travailler. Écoutez, madame, on est d'accord. Pourquoi elle ne pourrait pas rester ? Mademoiselle Collioure, vous devriez comprendre que vous déstabilisez la classe. Je vous le demande gentiment. Pour la dernière fois, retournez dans votre terminale avant que vous n'ayez à subir les conséquences de votre extraordinaire obstination. J'aime les mathématiques, madame. Les filles aussi ont le droit d'aimer les mathématiques. J'ai travaillé tout l'été pour être à niveau. Je ferai tout pour être votre meilleure élève. Oui. Les filles ont le droit d'aimer les mathématiques. Mais vous, vous n'êtes pas mon élève. Point final. Je vous donne une minute pour ramasser vos affaires et filer. Tiens. Qui choisit la décoration ? C'est le bureau des élèves, oui. Ce sont eux qui vont s'occuper du foyer. Vive la démocratie. Ah, j'ai demandé à la petite machine, celle qui roule dans les brancards, là. Mathilde ? Voilà, Mathilde. Mmh. De m'expédier ses parents, mais j'ai rien vu venir. Ça m'étonne pas. Mes lettres sont toujours restées sans réponse. Dites-moi, Vincent, vos lettres, vous les envoyez en recommandé ? Hein ? Avec accusé de réception. Si mon gamin sèche les cours, moi j'exige d'être au courant. Doucement. Non, mais comment ça, doucement ? Non, mais j'hallucine. Les parents, on leur doit des comptes. Il suffit pas d'envoyer des bouteilles à la mer comme ça sans savoir si le message sera lu un jour. On voit que vous avez pas de gosse, vous. Bon, écoutez, madame l'improviseur, si vous voulez qu'on travaille correctement ensemble, il va falloir me parler comme un être humain. Eh ben, hein? Je suis sous polé, il faut me prendre comme je suis. Bon, mais écoute, n'en parlons plus. Bah, n'en parlons plus, et puis vous bombardez les parents bagnules. C'est Collioure. Oui, Collioure. Voilà, vous les bombardez de papier bleu, de fax, de télégrammes, et vous saturez leur répondeur, ok? Je vous ai demandé de quitter cette classe qui n'est pas la vôtre, mademoiselle Collioure. J'ai quelques années de carrière, mais je n'ai jamais vu ça. Je sais bien qu'avec de l'argent aujourd'hui, on peut échapper à tout. Mais pas sur ces bancs-là, pas encore. C'est un lycée public ici. Il y a des règles. Une loi. L'éducation nationale est fille de la République, mademoiselle Collioure. Je ne céderai pas. À votre terrorisme, je vais compter jusqu'à 3. Et vous allez déguerpir. Et je ne demande plus. J'exige. 1. Mais madame, s'il vous plaît, elle... Merci, Nicolas. 2. Mathilde ne demande qu'à travailler, madame. C'est excellent pour l'émulation de la classe. 3. Mesdemoiselles et messieurs, je vous salue. Je vous envoie quelqu'un pour vous surveiller. Quant à moi, je ne ferai plus classe tant que vous prétendrez faire la loi. Et nous vous serions gré de prendre contact au plus vite avec l'établissement. Veuillez prévenir Madame Vandeleur ou Monsieur Bullier. C'est urgent. Merci. Bon, mais si avec ça, ça leur suffit pas, hein, c'est qu'ils en ont rien à foutre de leur progéniture. Absolument. Je passe à la loge, hein, il paraît qu'on s'est encore fait taguer cette nuit. Oh, d'accord. Il est clair que cette jeune fille a pas été au max l'année dernière. Enfin, c'est pas non plus la cata, regardez. Ouais, enfin, sauf en physique, hein. Ouais, en physique, c'est pas bon, ouais, pas bon du tout, ouais. Vous étiez bonne, vous, en physique ? Parlez pas de ce qui fâche, Guillaume. Hein. Moi, c'était un petit peu tout dans le mollet, vous voyez. Ah, jambe d'acier, déjà ? Comment ça, jambe d'acier ? Ouais, comme d'habitude, vous êtes la dernière au courant.
C'est Jambes d'acier, c'est le surnom qu'on vous a donné depuis que vous concurrencez Zizou, là. C'est plutôt flatteur, non? Ouais. Dites donc, il y en a qui n'arrêtaient pas, la gamine. Mademoiselle Collioure semble définitivement inapte à la fréquentation des sciences. Ça, c'est dû le pape tout cracher, ça. C'est-à-dire? Le pape se prenait pour Dieu. Et en plus, il avait un léger contentieux avec le genre féminin. Ouais, il pensait que les sciences ont un sexe. Et des couilles, mais parfaitement. Dis donc, Guillaume. Pardon. Bon, regardez la liste des TES qui ont été refusés en juin dernier. Trois. Donc deux repêchés. Que des mecs, hein. Que des mecs? Ouais. Et le nommé Tong, il y a eu très chaud, d'ailleurs. Tiens, donnez-moi son bulletin. Bon, les meilleures blagues sont les plus courtes. On a assez ri, alors maintenant dégage, Mathilde. Marie n'en rajoute pas. Mais Mère Teresa, elle commence à nous faire chier. On en a rien à foutre de son projet qu'elle nous lâche. Enfin, c'est pas Mère Teresa avec tout le monde, hein. Je sais ce que tu racontes derrière mon dos, Mathilde. Mais arrête de nous pourrir la vie avec ta jalousie. Je suis pas jalouse. Tout ce que je dis, c'est que j'ai droit à ma chance et je la mérite autant que toi, tu sais bien. Tu nous fous en l'air notre année. Hein, elle a raison, Zarka. T'as qu'à te barrer dans une boîte privée. Ouais. Bon, écoutez, si on la soutenait tous, on sortirait de ce merdier. Je sais pas, on peut faire une pétition. Mais tu vois pas qu'elle te manipule, qu'elle se sert de toi comme elle se sert de tout le monde? Elle, c'est sa gueule d'abord, hein, Mathilde? Bon, ça nous avance à quoi de nous bagarrer? Oh, les larmes, maintenant. Oh, tu commences pas à pleurer. Un coup salope, un coup sainte-nitouche, bon, tu joues sur tous les tableaux. Ça va? Bah, celui de la petite Collioure est nettement meilleur. Ah bah, ça y est, vous êtes décidé à retenir son nom. Allô? Oui? Ne quittez pas, je vais lui demander. C'est un certain Danton pour un rendez-vous. Oh non, je suis pas là. Oui, je suis désolé, elle est absente. Très bien, je lui dirai. Au revoir. Enfin, Guillaume, ça ne tient pas debout. Pourquoi est-ce que les parents ne font pas appel? Bah, la peur de faire des vagues, hein, c'est classique. Hein. Quoi, tout ça parce que c'est une fille? Mais elle a raison de s'acharner, cette petite, elle a vachement raison. Je serai mon tablier, c'est plus possible. C'est eux qui commandent maintenant. Bah, je vous écoute, madame Zarka. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas avec vos élèves? Justement, j'ai expédié l'espèce de pion. L'emploi jeune, comme vous dites. Bon, je vous vois tout de suite à mon bureau. Bon allez, casse-toi, Mathilde, va faire ton cinéma ailleurs. Et toi, ferme-la. Quoi, ferme-la? Attends. C'est quoi ce son? Ça commence à pleurer, elle. C'est quoi ce bordel? Oh, ça commence à quoi de la faire pleurer? Et pourquoi tu pleures, toi? C'est le comble. Va se démerder pour me faire passer pour la chieuse de service. Mais j'ai rien dit. On se calme. Bon, c'est qui le chef de classe? Il me faut un briefing. Ouais, bon, David, donne-nous un coup de main. Faut crever l'abcès, là. Mathilde a voulu rester dans le cours de Zarka et... comme... David, emmenez les TES dans la cour. Je voudrais rester seule avec Mathilde Collioure, s'il vous plaît. Allez, tout le monde dehors. Allez, Vasseur, dehors. Mais madame, pourquoi ce sera à nous de partir? Ferme-la. Dehors, s'il vous plaît. L'improviseur, elle m'a planté là, comme une vieille merde. Daniel, ne vous laissez pas aller, hein? Mais si, laissez-vous aller, Daniel, au contraire. Hé, on se calme, là. Vous croyez pas qu'il y en a marre des petits profs qui chialent parce que l'improviseur est pas gentil? Ah non, mais écoutez-la, la top modèle. Vous croyez que je vais me laisser marcher sur les arpions? Je ne vous dérange pas, au moins? Un petit peu, si vous m'empêchez de lire. Vous lisez? Oui, je lis ma partition. Mais vous entendez les notes? En quelque sorte, oui. Et ça ne vous dérange pas, vous, que tout foute le camp comme ça? Honnêtement, non. En outre, il me semble que tout ne fout pas le camp. C'est le pompon. Vous entendez ça, Lequier? Lequier? Où est le génie? Mais il est absent, Daniel, vous savez bien, c'est le jour du prix. Oh! Moi, tout ce que je récolterais, c'est les palmes académiques. On les donne à l'usure. C'est là-bas que j'ai découvert ce que je voulais faire de ma vie. Qu'est-ce que vous alliez faire, Madagascar? J'étais en vacances avec mon père. Quand j'ai vu ce qui s'y passait, je me suis dit que c'était pas possible de vivre comme avant. Je sens que je pourrais me rendre utile là-bas. Et vous trouvez ça réaliste, vous incruster en terminale économique et sociale sans demander l'avis de personne? Oui. Enfin, non. Mais sans ça, j'aurais aucune chance d'être prise à l'université dans une section d'économie. Et si vous l'avez, votre beau diplôme, qu'est-ce que vous allez en faire exactement? Je veux faire de l'humanitaire. Mais pas comme infirmière, hein. Mon truc, c'est pas d'arriver quand c'est cuit avec des colis pour empêcher les gens de mourir. Ce que je veux, moi, c'est intervenir avant que les problèmes soient là. C'est faire des vrais programmes de formation et de développement.
J'apprécie votre détermination, mais j'aime moins vos méthodes, mademoiselle Colliot. Pourquoi n'êtes-vous pas venue en discuter avec moi avant de nous rendre à tous la vie impossible, hein? Ben... Cet été, je me suis penchée sur les statistiques de l'éducation nationale. Jusqu'à la classe de première, les filles ont les meilleurs résultats partout. Et après, c'est fini pour elles. On leur laisse plus la liberté de choix. De l'université aux entreprises, l'éventail des qualifications est 5 ou 6 fois plus ouvert pour les garçons. Vous trouvez ça normal? Et là aussi, pas question de baisser les bras, c'est ça? Pas question. Vous savez, j'ai vu votre dossier. Vous n'avez pas eu les meilleurs résultats partout l'année dernière. Bah oui, mais l'année dernière, je savais pas ce que je voulais faire. Et maintenant, je sais. Alors prouvez-le. Vous avez jusqu'à Noël pour en faire la démonstration. Vous... Exactement. Vous restez en TES jusqu'à la fin du trimestre. Et plus, si vous faites vos preuves. La balle est dans votre camp. Merci, madame, merci. Mais attention, je veux votre parole qu'à la fin du trimestre, vous vous soumettrez à l'avis de vos professeurs, quels qu'ils soient. On est d'accord? On est d'accord. Encore un détail. On joue franc jeu? Mes parents? C'est vrai que vous comprenez vite. Ben, ils savent rien. Et pourquoi? Ils n'ont pas reçu mes lettres? Mes parents sont divorcés. Je vis avec maman, mais c'est l'adresse de papa que j'ai donnée au lycée. Il est absent. En voyage d'affaires. Au tribunal, on parlerait de préméditation. Je voulais pas les inquiéter. Mais c'est moi que vous inquiétez. Je ne reviens pas sur ma parole. Mais je vous préviens. Si vous trichez encore une fois, c'est le conseil de discipline. Compris? Compris. Demain, je veux voir votre mère. C'est vous qui êtes chargée de la prévenir. La confiance, ça se mérite. Au revoir. Au revoir, madame. Tu vas, non? Non, une petite goutte. Mais il y a de l'eau, là. Je vous fais rien. Merci. Ça. Des orages éclateront encore aujourd'hui de la Provence à la Corse. Partout ailleurs, les nuages ne pourront pas grand-chose. Confidentiel de Denis. Gérard, en direct du restaurant Drouan. Connaît-on enfin le nom du lauréat? Ah, ça y est, je crois qu'ils vont le dire maintenant. Là. Eh bien non, Roger, les marches du restaurant Drouan restent désertes. Nous attendons toujours le secrétaire général de l'Académie qui doit nous donner le nom du lauréat. Mais les débats semblent vifs. On a sans doute atteint le 7e ou le 8e tour. Nul doute que le Goncourt, cette année, sera décerné à la rachée. Il y a un vrai surplotier, là, dans le baba. Ah, celle-là. Elle mange pas de toupet. La Protelle, elle me laisse en TES. C'est vrai. Jambe d'acier t'autorise à rester en TES. Ouais, elle a gagné, elle a gagné. Ouais, Mais j'ai pas l'air d'une conne. Qu'est-ce que j'entends? C'est vrai, madame. Mathilde est autorisée à rester en TES. À l'effet. Autorisée? Mais par qui? Par la proviseure. De quel droit? Bah, elle a regardé les dossiers, elle a dit que c'était pas juste. Eh. Mais c'est un désaveu, on n'est plus rien, nous autres. Tout le monde peut se tromper, madame, même un prof. Eh bien, moi, je ne capitulerai pas. Je répéterai jusqu'au bout qu'un conseil de classe est souverain... Non, mais sifflez, si vous voulez. Daniel, cool, on parlera de ça entre nous. Ah non, je ne serai pas cool, comme vous dites. Oh, mais allez-y, si vous voulez. C'est votre peau que je défends. Eh oui, c'est votre école. C'est pas moi, franchement. Non, je le crois pas. Ah, tu fais ceinture depuis presque un an alors que la plaine était peuplée de beaux mecs qui ne pensent qu'à ça. Non, mais tu vas la fermer. Mes histoires de cul n'intéressent pas mes élèves, imagine-toi. Ils ont d'autres chiens à fouetter, moi aussi. Bonjour, Angélique. Bonjour, mesdames. Bonjour, Angélique. C'est pas le tout de la changer de section, la petite Colliot. Faut maintenant que je l'annonce à ses profs, tu vois. N'essaie pas de me blouser en détournant la conversation. La petite Colliot, c'est pas un problème. En revanche, ta chasteté... Oh. Ah. Toi, ma vieille, tu regardes un petit peu trop Absolutely Fabulous. Trop quoi? Une série culte avec des babas cacagénaires dans ton genre. Chaud devant, il y a du monde. Oui, bonjour monsieur, vous désirez? J'ai écouté mes messages à l'aéroport, je suis venu tout de suite. Mais quel message? Bah, sur mon répondeur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais de qui vous parlez? Attendez, vous affolez les familles, vous savez même pas de qui je parle?
Sa mère est là, je suppose, parce que ça répond pas au téléphone chez elle. Je suis son père, j'ai le droit de savoir, non? On gagnerait du temps si vous nous donniez un nom. Qui êtes-vous, madame? L'infirmière et vous? L'infirmière, oh merde, elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Non, monsieur, rassurez-vous, il n'y a personne de malade au lycée. Et vous, qui êtes-vous? Et arrêtez de me regarder avec ces yeux ronds, je suis parfaitement conscient de mon accoutrement. De votre accoutrement. Écoutez, je suis le chef d'État. Le chef d'État, le chef d'établissement, elle se prend pas pour Napoléon. Monsieur, je sais tout ce qui arrive à mes élèves si on me dit leur nom. Mathilde Collioure. Ah, Mathilde Collioure. Ah, bah, je comprends mieux le tempérament de votre fille maintenant. Venez, monsieur, en fait. Elle a fait une bêtise. Ah! Merci, madame. Guillaume, je vous confie ça. Ça doit pas être une affaire au lit, c'est empoté. Alors? Monsieur Collioure, le problème est quasiment réglé. Attendez. Je crois que ce coup-ci... C'est la surprise, Roger, le triomphe de l'outsider. Le prix est attribué à L'arrière-plan, le roman de Gérard Lequier, ce professeur de philo quasiment inconnu. Bien, voilà, allez, le faire parler de lui. Il est moins qu'à plus, ça. Mesdemoiselles, messieurs, Gérard Lequier, professeur de philosophie au lycée Eugène Belgrand, et le nouveau prix Goncourt. Je ne suis pas d'accord du tout. Sa mère est au courant? Non, pas encore. Monsieur Collioure, si vous voulez laisser votre valise, vous pouvez la mettre dans le coin. Ma fille n'est pas un cobaye. De quel droit est-ce que vous prenez une telle décision sans avertir les parents? De quel droit vous nous mettez devant le fait accompli? Monsieur Collioure, là vous me prenez un petit peu de court. Et puis pour être très honnête, je m'attendais plutôt à des... Des remerciements? Parce que vous croyez que je vais vous remercier quand vous mettez ma fille en situation d'échec? Je vous préviens, si elle rate le bac... Madame, monsieur Lequier a eu le concours. Non. Non. Si, c'est vrai, ils viennent de l'annoncer à la radio. Oula, les médias vont rapiquer en masse, hein. Ah, mon bateau. Oui, lycée Eugène Belgrand. Non, monsieur Lequier n'est pas actuellement dans mon mur. Je vous conseille de vous adresser à son éditeur. Voilà, c'est ça. Rappelez-moi. France 2, voilà. Bon, très bien, Guillaume, envoyez un télégramme de félicitations à la maison d'édition. Oui, je le signe de votre nom. Et nous, alors? Ah oui, vous avez raison. Vous en envoyez trois. Un de ma part, un de la part des professeurs, un de la part des élèves. Madame le proviseur, je ne voudrais pas passer pour un rabat-joie, mais je crois que nous avons une question urgente à régler et après, j'aimerais bien aller me coucher. Monsieur Collioure, si vous voulez bien passer dans mon bureau. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou avec Mathilde Collioure? Madame Zarka, je vous vois dès que possible, dès que possible. Attention, mon bateau, hein, c'est pas un jouet. Je ne peux pas attendre. Mais je vous demande une petite minute, Madame Zarka. La dame qui ne pouvait pas attendre est professeur, n'est-ce pas? Oui. Vous avez décidé toute seule du sort de Mathilde sans même consulter ses professeurs? Écoutez, j'ai d'abord consulté Mathilde. C'était important, non, monsieur Collioure? Admettons. Je vous écoute. Mais si j'ai bien compris, j'ai qu'une minute entre deux portes pour connaître le sort réservé à ma fille. Je suis désolée de vous recevoir dans ces conditions. Oh, ne perdez pas de temps, politesse inutile, on vous attend à côté. Je crois que c'est pas le moment de discuter de ça, hein? Vous êtes crispé, non? Oui. J'ai bossé comme un abruti, j'ai 7 heures de décalage dans les pattes. J'en peux. Écoutez, parlez-en d'abord avec votre fille, puis on se reverra tranquillement. C'est plus sage, non? Oui, peut-être, en effet. Je vais me coucher. Demain sera un autre jour. Mais vous me reverrez, soyez-en sûr. Non, je peux pas vous répondre, monsieur, elle est en rendez-vous pour l'instant. Bah, mais je vous rappelle, merci beaucoup. Au revoir. Bon, et puis, monsieur Collioure, on se rend un petit peu calmement, n'est-ce pas? D'accord. Madame Zarka, Guillaume, où est madame Zarka? Elle est partie, folle de rage, hein. Elle avait rendez-vous chez le dentiste. Elle a dit que vous pouviez être sûr qu'elle revient. Bah, ça. Et que demain est un autre jour. Exactement, comment vous le savez? Une intuition, Guillaume, une intuition. Au revoir, monsieur Collioure. Au revoir, madame. Monsieur Collioure, on se tient au courant, n'est-ce pas? Pardon? On se tient au courant? Oui. D'accord. En fait, oui, le nommé Danton a appelé pour la troisième fois. Oh, mais quel crampon, celui-là va trouver le bien créneau. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour le quai? Pour le quai? Bah, la fête, non? Ouais.
Oh, bonjour ma poule. Baiser. T'as fait bon voyage? Oui. Quelle heure il est? 6 heures. Matin ou soir? Soir. Faut que je te parle. Moi aussi. Café? Non, non, ça va m'empêcher de dormir. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Aspirine. Ouf. Oui. J'ai vu ta proviseur. Elle est sympa, non? Tu te fous de moi, là? Elle est géniale. Elle me donne ma chance. Oh, ma tête. Quelle vie de chien d'être parent. Mathilde, je suis terriblement déçu. Tu as triché. Je ne pensais pas que toi, un jour, tu pourrais m'agouiller. Je suis vraiment désolé, mais je vais t'obliger d'en parler à ta mère. Je lui ai déjà tout dit, elle est ravie. Hein? Tout dit quoi? Tout dit tout. La fausse adresse, les lettres piquées dans la boîte, le squat des TES. Mais ta mère est folle, ta proviseur aussi, et toi? Tu vas pas très bien non plus, crois-moi. Hein? Et si jamais t'arrivais pas à suivre en TES? Hmm? Et si on était obligé de te changer de classe? Et si avec toutes tes conneries, tu ratais ton bac? On serait bien avancé, non? Pas on. Moi. Et moi, j'assumerai. Et d'avoir trompé tes parents comme une petite malpropre, tu assumes? J'ai trompé personne, d'abord. Il y avait personne ici pour m'écouter. Depuis que je suis rentrée de Madagascar, je t'en parle. Tu prenais ça pour un caprice, comme tout le monde. Et si tout le monde n'avait pas tort? De toute façon, t'étais pas là, hein? Tu leur vendais ton paquebot, là, aux Antilles, et ici, il y avait le feu. Mais ta mère, elle était là, non? Elle vient de se marier. Oui, je sais. Est-ce que ça change quelque chose pour tes histoires d'orientation? Est-ce que tu ne restes pas sa fille, quand même? Bah, je voulais pas lui gâcher le plaisir. Tu comprends, non? T'as dû te sentir bien seule. Ouais. Il faut ce qu'il faut. Hein. Et puis maintenant, j'ai gagné. Et j'aimerais bien être sûre. Mais quand même, Mathilde, depuis quand la fin justifie les moyens? Tu sais bien que la loi de la jungle... Je sais, tu sais. Me gâche pas mon plaisir, papa. Je sais, tu sais. Non, tu sais que je sais que tu sais. Tu sais, Mathilde, va falloir que tu te démerdes, hein. Parce que moi, les maths, j'ai jamais été balèze. Qu'est-ce qu'on peut avaler à ton âge? On sort de table et t'as encore faim? Juste un petit creux. Qu'est-ce que tu bouquines? Le concours du père Lucky. J'ai un discours à préparer. Waouh, c'est beau la concentration, si tes élèves te voyaient. Pas vu, pas pris. En revanche, demain, faut pas que je bafouille, hein, ça la foutrait mal. Tu l'as dit, jambe d'acier. Ah, toi aussi tu t'y mets? Bah, c'est plutôt flatteur, non? Absolument. C'est bien que tu le prennes comme ça. Quand j'étais élève, le protal, on l'appelait couille molle. Bah, jambe d'acier, c'est mieux, non? Ça se défend. C'est bien ton bouquin? Et si je le mettais au programme de ces petits cons pour leur apprendre à douter de mon exquise féminité, hein? Allez, va te coucher. Ok. Oublie pas de te laver les dents. Ça y est, il arrive. L'attaché de presse vient de me prévenir que l'enregistrement est terminé. Mes amis, encore un tout petit peu de patience. Notre Goncourt vient de retrouver sa liberté. Ah, merde, ils l'ont lâché. Vraiment, si vous aviez une place pour Spaviok, ce serait le rêve. Il n'y a que les Russes pour le violon. Vincent ne m'emmène jamais au concert, il ronfle. D'accord, le qui est pédant, mais il a du poids maintenant. Ici, il se dégonfle pas. Dans 3 mois,
tout cela sera oublié, la roue tourne et c'est bien ainsi. Monsieur Lequet, suivez-moi. On va monter par là. Monsieur Lequier, j'espère que vous ne m'en voudrez pas et que vous n'en voudrez à personne au lycée Belgrand de vous voler un petit peu de l'honneur qui vous est fait. Rien n'est plus singulier qu'un livre, rien n'est plus personnel, et pourtant, la récompense qui vous est attribuée rejaillit un petit peu sur chacun d'entre nous. Je suis très touché, madame le proviseur. Ah, au fait, dois-je saluer la proviseur ou le proviseur ? Maintenant, on dit la. Petite divergence entre la mode et la syntaxe. Je suis donc très touché, madame la proviseur. Mais je vous prie, chers amis, de tenir pour négligeables les contorsions médiatiques auxquelles je suis obligé de sacrifier. Je n'oublie pas que nous sommes les fils de Voltaire. Ne comptez donc pas sur moi pour finir à Disneyland. D'autant que je me sens à présent le devoir de témoigner en faveur d'une espèce contestée dans sa raison d'être et dans ses attributions. Pauvre petit maître dont la dignité se réduit comme peau de chagrin. Qu'est-ce qu'il raconte ? Petit maître désavoué jusque dans ses murs, si ce que j'ai appris de mes collègues est exact. Je vous connais encore mal, monsieur Lequier, mais votre réputation d'humoriste n'est pas usurpée. Je dois dire que le coup du dinosaure, voire du mammouth, je savais que c'était un grand classique de l'éducation nationale. Voilà, vous le faites très bien, hein, bravo. Je crois qu'on peut l'applaudir. Hein, bravo. Je sais aussi que vous êtes un homme d'expérience et que par conséquent, aucun des changements qui pourraient survenir au lycée Belgrand ne pourrait entamer votre bonne humeur, n'est-ce pas ? D'ailleurs, n'ai-je pas lu dans l'arrière-ban que je cite « L'inédit corrosif est le sel de la terre ». À vous, monsieur Lequier. À vous. C'est moi que j'ai connu. Monsieur Lequier. Ça tient toujours pour 6 heures. Qu'est-ce qui se passe à 6 heures ? Alors, Rosa, comment vous trouvez mon nœud papillon ? Très bien. Il faut que je plaise maintenant. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Darme. Cette dame est ravissante. Si elle glandait moins, le tableau serait parfait. Et où il est passé ? Ah bah dites-moi, il a mis le turbo, ils lui ont prêté une voiture de ministre. Je ne suis pas mécontent de moi. Mon attaché de presse a mis toutes ses petites mains au travail, je crois qu'elle a réussi à mobiliser du beau monde. Aujourd'hui, c'est fou ce que les gens ont envie de me faire plaisir. Allons-y. Clôturons ce journal du matin par une belle histoire. À ton âge, on ne doit plus faire de faute d'orthographe, Augustin. C'est des points en moins. Bon, bois-moi une tartine, s'il te plaît. Non, non. Il faut que je me mette au régime. Je dis quoi, papa ? Quoi, ton père ? Cette année, le nouveau. La réunion des parents d'élèves, c'est son tour. Et veut t'en parler d'abord. Oh là, deux secondes, hein. Je peux pas être au four et au moulin. Et du gras, il y en a à mouder, cette histoire. Non, jamais je n'entamerai une carrière d'écrivain au détriment du dernier métier sacré. Mais c'est le qui parle ? Enseignant, je suis. Enseignant, je resterai. Comme diraient mes élèves, c'est pas de la tarte que d'enseigner. Mais tarte toi-même ! On nous méprise. On oublie que c'est nous qui formons les cerveaux de l'avenir. Sans nous, le pays, la France, que va-t-il devenir dans la compétition acharnée de la mondialisation ? Savez-vous, monsieur, qu'on a nommé un professeur de gymnastique, oui, de gymnastique à la tête de mon lycée ? Alice, prends-toi ça dans les gencives. C'est parce que nous défendons vos enfants que mes collègues et moi-même, appuyés par les plus grands intellectuels, avons écrit le manifeste pour la dignité de l'enseignant. Laisse tomber, tu vas te faire du mal. J'ai compris. Hier, c'était la fête à Lucky, aujourd'hui, c'est la mienne. Faut que je file. Je dis quoi, paternel ? Oh, c'est vrai. Attends. Oh, je suis désolée, mon chéri, j'ai redoublé le Danton ce matin. T'inquiète pas pour papa, je m'arrangerai avec lui. C'est sympa. Puis tiens bon pour le bahut. Ton concours, c'est rien qu'un regard. Je t'aime, ma petite maman. Allez, bonne journée, mon chéri. Eh oh, t'as dit certes. Merci.
Non, Daniel, laissez-moi prendre cette affaire en main. Nous avons jusqu'ici trop cédé à l'émotion. Comment ça, trop cédé à l'émotion? Et je partage votre indignation, mais je crois qu'il est souhaitable de garder la tête froide. Vous me prenez pour une tête brûlée? Pas brûlée, Daniel. Juste un peu chaude. Mes chers collègues, d'habitude, je parle peu, mais cette fois-ci, j'ai décidé de hausser le ton. Un chef d'établissement, notre nouvelle proviseur, s'autorise à contredire une décision collective des enseignants. Gérard Lequier s'est exprimé là-dessus. Je partage entièrement sa colère et son ras-le-bol. Dites-leur pour bourdiable. Un instant, Daniel. Cette pétition... Ah non, pitié. Ah non, pas le coup de la pétition. Moi aussi, Gilard, j'ai mis état d'âme. Mais là, faut être de bonne foi. Hein. Sur ce dossier, il y a un problème dès le départ. Non, je n'en crois rien du tout. Du temps de Valentine. Mais ça s'est passé du temps de Valentine, nom d'un chien. Elle était sur le départ et elle n'a pas pu suivre le dossier jusqu'au bout, c'est tout. Mais c'est pas une histoire de personne. Il s'agit de savoir si oui ou non les profs ont encore dernier mot. Mais bien sûr que si, c'est une question de personne. Vous ne supportez pas d'être dirigé par une femme. Surtout une jeune femme. Pas si jeune que ça. Qu'est-ce qu'elle dit, votre pétition? Elle dit que les profs ont droit au respect. Bah, qui prétend le contraire? Mathilde Collioure a été admise en TES contre l'avis du conseil de classe. Ça, c'est un fait, ça, non? Mais sous réserve qu'elle fasse ses preuves. À vous, le porte-serviette, ça suffit. On nous désavoue, on nous traîne plus bas que terre, mais si! Eh ben, ça va changer, figurez-vous. Des intellectuels, des savants du Collège de France, parfaitement. Du Collège de France, ont signé l'appel de Lequier. Les grandes déclarations ne suffisent pas. Je m'engage à ne plus faire court, jusqu'à ce que l'administration nous entende. Là, vous déconnez. Vous déconnez complètement, là. On verra qui déconne le plus. Oui, la question déconnade, je crois que la partie semble très ouverte. Enfin, si Bourdiable s'en mêle, elle est hors jeu, Jean de Lassie, hein. C'est bien fait pour sa gueule. Comment il l'a cassé, le père Lequier, ce matin à la radio, c'était trop. Attends, si nous on se vendait d'un manifeste pour la dignité de l'élève, hein, nous aussi on pourrait passer à la télé. Je sais pas, parce que moi j'ai rien pité à ce qu'il racontait, Lequier. Rien. Attention, dans nos lycées, le maître devient la dernière roue. Arrête, voilà, j'ai une overdose de Lequier, là. Enfin, je suis cuite. Hein. Je vous ai emmerdé pour rien. C'est de moi qui parle, Lequier, là. Tout le monde l'écoute comme un prophète. Jean de Lassie, elle pourra plus rien faire après ça. Je vais te virer. Non. Bah, tu l'auras pas volé. C'était une vraie vipère, Marie. Attends, mais tu t'arrêtes tout de suite. Tu vas pas le mettre du côté des profs. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Mathilde? Ouais, c'est vrai, lâche-la un peu. Tu deviens chiante, là. Bah, si tout le monde est contre moi. Oh, les filles, serrez-vous la main, allez. Allez, voilà. Je t'envoie ça. Non, c'est pas grave. Souvent, femme varie. Toi, ta gueule, hein. Non, 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 rien à ajouter, voilà. Voilà, c'est ça, merci, au revoir. Allô? Non, 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 pas de commentaires là-dessus. Merci, merci bien, au revoir. Il va bien falloir répondre quelque chose, là. No comment. Oh, le coup est parti, on n'y peut rien. Le manifeste de Lequier fait un tabac. De la démagogie en barre, Guillaume. Mais peut-être, mais on commence à passer pour une banlieue chaude. Eh ben, c'est ça que je trouve dégueulasse. Parce que dans les banlieues chaudes, ils ont des problèmes autrement plus sérieux que nous à régler. Alors? Alors, no comment. Ça sert à rien de fuir, hein. Mais je ne fuis pas, bordel de bordel. Je réfléchis avant de parler. Madame la proviseure. Quoi encore? Puis-je vous suggérer de surveiller vos jurons? Mon petit Guillaume, puis-je vous suggérer une règle de vie? Le jour où c'est vraiment le bordel, appelez ça par son nom. Allô? Mademoiselle Colliot, croyez qu'il n'y a dans tout cela rien de personnel. Je vous accorde même le bénéfice de l'obstination, voire d'un certain courage. Et alors, il n'y a plus de problème, c'est bon. Et puis c'est neuf. Je vous informe que j'ai décidé, jusqu'à nouvel ordre, de suspendre mes cours. C'est quoi ce cirque? Oh non, rebelote. Mais madame, je suis d'accord pour faire mes preuves d'ici la fin du trimestre. Si j'y arrive pas, je m'en irai. C'est une question de principe. Bon, ben, puisque c'est comme ça... Bah où il va, lui? Ceux qui veulent n'ont qu'à noter. Vous vous souvenez de l'énoncé? Alors, soit L, une extension simple d'un corps K, tel que L égale K, facteur de X. L
Nicolas, t'es beau. Deux cases présentes. Les monomes X puissance N sont linéairement indépendants sur K. Ça veut dire... Bien. Ça veut dire qu'une relation telle que A0 plus A1X plus A2X2 plus ANXN égale 0 n'est possible que si... Oui, Leïla, je t'en prie. Nickel. Merci. Le corps K, facteur de... Vous permettez? Je crois que je n'ai plus rien à faire ici. Je pensais simplement, madame, qu'un professeur n'a pas laissé seul ses élèves durant un cours. Non. Maintenant, asseyez-vous, je vous en prie, je termine. Donc, le corps K, facteur de X égale 0. On va étudier le signe de cette fonction définie sur R par f de x égale 4x cube moins 6x carré plus 3x plus 62. Et pour... Ah, je voulais dire sur les mots généraux qui n'ont rien à voir. Les déclarations de monsieur Lucie ont une portée générale et ne concernant rien la vie du lycée. Non, mais je ne vous permets pas, monsieur. Eh bien, la gymnaste, elle vous emmerde. Voilà. Madame Wandler. Oui. Bonjour, Danton. Oui. Bonjour, monsieur Danton. Ouais. Monsieur Danton, c'est pas le jour. Ouf, vous savez, j'ai l'habitude, mon job, c'est de déranger. C'est la pagaille, hein. Il y a des profs qui font cours, il y a d'autres profs qui font pas cours. Très bien. Eh bien, relevez tout ça clairement et assurez-vous qu'aucune classe n'a été abandonnée à elle-même. Je n'ai été saisie d'aucun préavis de grève, alors s'il le faut, ça va barder. Vous êtes hostile aux grèves, madame? Pas du tout. Mais je suis respectueuse des textes, monsieur Danton, et j'entends que les élèves soient accueillis. Bon, je continue ma tournée, hein. Ça va pas être facile de vous envoyer au plot, vous, hein. Mais si. 3 minutes et je suis dehors. Ah, madame l'improviseur, il n'est pas dans mes habitudes de débouler à l'improviste, mais là, l'urgence... Mais écoutez, monsieur Collioure, je suis obligée de vous demander d'attendre quelques instants, d'accord? Par ici, s'il vous plaît. Danton, c'est moi le coupable. Mais... Je vous la rends tout de suite, promis. Entrez. Alors, il s'agit donc de sociologie, n'est-ce pas? Oui, enfin, plus ou moins. Mon équipe et moi, nous travaillons au ministère pour le département d'évaluation et de prospective. Ah, vous observez si les résultats des élèves montent vraiment, c'est ça? Ah non. Non, ça c'est déjà du passé. Oh, bien sûr qu'ils montent. Non, à vrai dire, nous travaillons sur des sujets beaucoup plus pointus. Ah, je suis vraiment confuse, mais très honnêtement, aujourd'hui, je suis pas vraiment dans le pointu. Ça vous embête si on reporte ce rendez-vous? 1 minute 20. Pardon? Je crois que je peux vous expliquer mon truc en 1 minute 20 secondes. Vous êtes vraiment un drôle de type, hein? Drôle, ça dépend. Mais obstiné, oui, oui, tous les jours. Asseyez-vous, allez-y. Bien. Ce que nous voulons évaluer, c'est à quel point les enseignants sont influençables dans leur jugement. Exemple. Nous annonçons que les tests de tel élève, connu pour ses résultats médiocres en mathématiques, trahissent des qualités surprenantes, mais surprenantes. Et nous observons les réactions de l'enseignant juste après cette annonce. Bref, on fait mine de tester les élèves, mais on teste les profs. Quoi? Dans leur dos? Bah, au début, oui. Mais à la fin de l'expérience, nous leur rendons compte du travail accompli. Il ne s'agit pas de piéger les gens. Il s'agit de leur fournir une aide professionnelle. Attendez, si j'ai bien compris, ces tests ne sont qu'un leurre. Ce qui vous intéresse, c'est la manière dont les profs se laissent influencer ou pas par les faux résultats. Vous avez tout bon. Savez-vous que la différence de notation d'un correcteur à l'autre est beaucoup plus importante en sciences qu'en lettres? Ah bon? Mais je croyais que c'était le contraire. Eh oui, comme tout le monde. Voyez-vous, nos petites expériences voudraient servir à ça. Simplement à ça. Sortir des idées toutes faites. Asseyez-vous, monsieur Danton. Monsieur Danton, je crois que j'ai besoin de vous. Parfait. Non, elle est au rendez-vous pour l'instant. Ça commence à bien faire. Oui, je vous rappelle. Merci. Oui, vous avez raison, ces journalistes sont des vrais sensus. Non, je voulais dire que ça commençait à faire long. Ah bah, depuis ce matin, ça n'arrête pas. Pourquoi voulez-vous que je prenne pour terrain de chasse la terminale économique et sociale? Parce que dans cette classe, précisément, un conflit est ouvert. Et le déclencheur, c'est le jugement porté sur un élève. Alors je me dis que votre expérience peut peut-être faire avancer Schmilblick.
Ok. Va pour la TES. On commence quand? Demain. Hein? Oui, demain. Après, ce sera trop tard. Vous faites faire du trapèze volant, là? Oui, mais c'est moi qui saute sans filet. Au fait, pourquoi m'avez appelé? Pourquoi vous avez choisi le lycée Belgrand? C'est pas Belgrand que j'ai choisi, c'est vous. Parce que vous êtes neuf dans le métier. Vous êtes pas de la paroisse. Avec un proviseur grand style, je me serais déjà fait jeter, moi. Je me demande si je prends ça comme un compliment. Devinez. Alors, vous revoyez bien votre leçon, qu'on n'est pas y revenir lundi matin, d'accord? Okay. Allez, au revoir. Merci. Christian! Oh, Christian! Qu'est-ce qui se passe? Oh, Christian! Hein? Fermez la porte, fermez! Non, mais enfin, Daniel. C'est les toilettes des femmes, ici. Qu'est-ce que vous faites, là? Ah. Ça va, là, oui. Mmh. Hein? À de mieux. Merci. Il faut que je vous parle, Christian. Sans personne. Vous êtes un type honnête. Je me sens si moche. Ah, est-ce que vous n'exagérez pas un petit peu? Non, j'exagère pas. Non, j'exagère pas. Ils m'ont humilié, Christian. Ils ont fait cours à ma place. Et vous savez quoi? C'était un bon cours. Ils se démerdaient rudement bien, ce gosse. Au fond, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'on sert pas à grand-chose. Après tout, la petite Collioure, elle a du caractère. Et c'est vrai que le pape avait la main lourde. Non, non, mais là, je vous arrête tout de suite, Daniel. Si nous commençons à tourner en rond, nous sommes fichus. Eh ben... Oh, pardon. Je repasserai, hein. Je dérange ou je me fais des idées? Non, non, tu te fais pas d'idées, là. Je voulais brancher le synthé, là, pour une petite air, ça détendra l'atmosphère. Une autre fois, ce sera avec plaisir. C'est grave. Disons que c'est sérieux. En principe, je suis là pour vous épauler. Bon, bah écoute, sois cool, tu reviens nous épauler dans 10 minutes. Ok, d'accord. De toute façon, justement, j'ai une petite course à faire. Bon, les gars, enfin tout le monde, faut que je vous remercie. Vous avez été top. Putain, oh, David! Oh, David, qu'est-ce qu'on t'a dit? Oh, ouais. Ouais, si on peut plus rigoler... Ouais, mais c'est pas gagné. Zarka a perdu la face, elle va contre-attaquer, c'est clair. Putain, mais quel rabat-joie, cette Marie. Mais c'était trop bon, comment il l'a niqué, Zarka. Non, mais Marie a raison. On va pas passer l'année à faire la guerre. Mais attends, moi j'ai une idée, hein. Parce que Jambe d'Acier, elle a les profs sur le dos, elle aussi. Dans le langage militant, on appelle ça une alliée objective. Si t'allais la voir, Leïla. Leïla, Leïla, Leïla. Merci, monsieur Danton. Grâce à vous, j'ai probablement échappé à la guillotine. Oh, bon, écoutez, ce n'est pas que je souffre particulièrement d'un complexe de persécution, non. Mais alors, j'en ai un peu ma claque des plaisanteries liées à mon patronyme. C'est pourquoi, ma chère Alice, je vous encourage vivement à m'appeler par mon prénom, Laurent. D'accord. Oh, pardon, monsieur Collioure, je suis à vous tout de suite. Guillaume, s'il vous plaît, accompagnez monsieur, enfin, je veux dire, Laurent chez les TES. D'accord? Si vous voulez bien me suivre. Non, je sais. Vous allez me dire que votre fille n'est même plus un cobaye, que c'est un champ de bataille national, que sa mère est... Vous permettez que je fasse mes doléances moi-même? Avant de mettre le feu aux poudres, vous n'avez pris la vie de personne. Pas même celui du professeur principal de Mathilde. Alors ne vous... Excusez-moi. Allô? Non, madame la proviseure n'est pas là. RMC, oui, nous disions? Excusez-moi. Allô? Non, écoutez, je ne sais pas à quelle heure elle va revenir. Voilà. Oh, c'est infernal. Et si je vous offrais un croque-monsieur, au moins on aurait la paix, non? Et même pour midi. Ah, oh, mais moi, le stress, ça me cause, hein. On y va? Mais non, il ne s'agit pas d'un bac, non. Juste une batterie de tests d'évaluation. Des petits trucs à cocher, des petits problèmes à résoudre. Vous connaissez la musique? Ouais, on n'a même pas le temps de réviser. Ces machins-là, ça traîne dans nos dossiers. Bon, premièrement, il n'y a rien à réviser. Justement, il s'agit de savoir ce que vous avez dans le crâne comme ça, sans rien, sans bachotage. Deuxièmement, l'exercice est strictement confidentiel. Cherchons pas à savoir si monsieur... C'est quoi ton... Guilain Perretier. Si Guilain, ici présent, est un crâne d'œuf. Nous cherchons à savoir comment les lycées forment la jeunesse. S'ils s'y prennent bien ou mal, c'est tout. Mais là-dessus, on a comme une idée. Eh bien, justement, moi, j'ai besoin d'un petit coup de main, mademoiselle, pour que votre idée circule, ok? Bon, ben merci, monsieur. Excusez-nous, on a cours. Au revoir. Au revoir. Monsieur. Au revoir. Non,
Madame, monsieur, bonjour. 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 Merci. Ah, il y a de la choucroute en plat du jour. Je ferais quelque chose d'un peu plus léger. Il y a rien de plus digeste que le chou. Et si on prenait un petit Riesling pour arroser? Ah non, le Riesling me donne mal à la tête. Le Riesling, faut pas le boire trop vert. C'est ça le secret. Écoutez, madame, vous êtes charmante, mais je suis pas ici pour parfaire mon éducation gastronomique, d'accord? Vos soucis sont légitimes, monsieur Colliot. J'ai les mêmes en ce qui concerne Mathilde. Mais oui, vous savez, j'aurais préféré démarrer dans mes fonctions sans affronter une élève insurgée ni un soulèvement du corps enseignant, croyez-moi. Je sais bien que c'est Mathilde qui est à l'origine de tout cyclone, je sais. C'est vrai. Mais j'ai mal joué. Oh, ce qui est fait, est fait. J'ai agi comme j'aurais voulu qu'on agisse avec mon fils Augustin dans une situation analogue, en mère de famille. Ah, c'est pas une excuse, hein, c'est juste une explication. Non, j'ai manqué de diplomatie, de savoir-faire. Je me suis emballée. Voilà. J'aurais dû consulter avant de prendre la décision d'accorder un trimestre en TES à votre fille. Voilà, je croyais innover. Ah, l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? Bon, je vous fais grâce de vos remerciements, monsieur Colliot, mais quand même. Je vais vous faire une confidence. Vous êtes le premier à qui j'en parle. Vous savez, l'homme à cause duquel je vous ai fait attendre. Le dénommé Danton? Lui-même. Il vient faire passer des tests d'évaluation au TES. On saura très vite à quoi s'en tenir sur les capacités de Mathilde. Et il n'y aura plus de trimestre à l'essai pour elle. Bon, bah, admettons, ma fille est jugée apte à la TES, mais il reste les professeurs, ils sont sacrément remontés contre ma petite. Oui, oui, c'est vrai, ces résultats peuvent donner gain de cause aux professeurs. Bon, en ce cas, je me soumettrai, et Mathilde retournera en elle. Mais en cas contraire, ils n'auront plus d'arguments pour étayer leur fronde, et ils se soumettront. Hum? Quel que soit le résultat, votre fille ne subira pas d'injustice. Je vous en donne ma parole. D'accord? Vous êtes rassurée? Allez, d'accord pour la choucroute Riesling? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Mais je vous promets le meilleur cassoulet du monde si ma fille traverse l'année sans drame supplémentaire, d'accord? Ah bah, en principe, quand tout va bien, je suis au régime. S'il vous plaît. Moi, je dis que c'est Jérémiade à n'en plus finir. Donne de nous et de notre profession une image désastreuse. Ça va, pas trop crevé? Si vous croyez que ça m'amuse de garder les bras croisés. Moi, j'aimerais bien que les jeunes se montrent plus discrets. Pour la discrétion, vous pourriez peut-être prendre quelques cours de soir. Je vois que ça chauffe à la bonne heure et ça va chauffer encore plus. Mes bons amis, je découvre la vie et j'apprends que la prostitution est une activité lucrative. Vous pouvez toujours affiler la métaphore après les cours. Le mythe de la caverne s'arrête à 5 heures, non? Qui parle de métaphore? Notre éminent romancier va peut-être situer l'action de son prochain livre au Bois de Boulogne. Merci, chers collègues, de me considérer comme un maquereau plutôt frais. Non, ce que je voulais dire, Daniel, c'est que mes pitreries médiatiques m'offrent une tribune inespérée et que cette tribune, je vais m'en servir. Pour vous tous. Enfin, pour nous tous. Vous avez déjà donné, non? Certes, certes, mais cette fois-ci, j'ai carrément la couverture du plus grand magazine français. Comme ça, tous vos collègues vous liront. Je me considère comme votre humble intercesseur. Serait peut-être temps de lever le pied, non? Bonjour. Bonjour, madame. La proviseur? J'ai l'impression de vous avoir déjà beaucoup rencontré aujourd'hui. Un petit peu trop, même. Je ne quitte pas le navire, voyez-vous. Dès demain, je reprends le collier. Ah non. Demain, nous sommes en grève. Ah, bien sûr, où avais-je la tête? Ah, je crains que votre boycott des cours de TES ne doive attendre lundi. Comment ça? Oui, je vous présente monsieur Danton. Ce dame? Chercheur auprès du département de l'évaluation et de la prospective. Le hasard veut que monsieur Danton, sous l'égide du ministère et du rectorat, doit soumettre le TES demain et après-demain à un test d'évaluation. Le hasard fait bien les choses. C'est sérieux? Vous le jugerez vous-même? J'ai bien l'intention de vous rendre compte personnellement de mes travaux. Personne, d'ailleurs, ne pourrait les apprécier et les corriger mieux que vous qui êtes au contact de ces élèves. Vous avez conscience, madame la proviseure, de jouer avec le feu? C'est le jugement de Dieu, cette histoire. Si Mathilde Colliot... Je ne sais pas si c'est le jugement de Dieu, monsieur Gillard, mais en tout cas, j'accepte celui des experts. Parce que les professeurs ne sont plus des experts. Vous avez raison, monsieur Lequin. Nous ne sommes que des d'obscurs techniciens laborieux. Mais puisque l'honneur m'est donné de vous rencontrer, j'espère que vous aurez la patience et la gentillesse de me dédicacer votre roman, que j'ai beaucoup apprécié. Monsieur Danton? D-A-N-T-O-N, comme Georges. Mais j'ai pas le temps, je te dis, je peux pas te parler. Écoute, ça va, pour une fois que tu te coltines la réunion de parents d'élèves... Putain, mais tu changeras jamais, toi, hein? J'arrive, je te dis, j'arrive. Allez, tes mains, ma grande, je suis pressée, là. Démarre. Thank you.
savez, le genre fiche d'aptitude, qui vous êtes, ce que vous valez, avec qui vous couchez. Moi, je trouve que ça fait très Big Brother. Un petit peu parano comme mec, quand même. Non, moi, ce que je trouve, c'est qu'on avait d'autres chats à fouetter que de se faire mesurer le cerveau. J'ai jamais eu une année aussi merdique de toute ma scolarité. Ouais, faut jamais dire jamais, tu sais. T'as raison, Tong, ça peut toujours être pire. C'est bon, on se calme. Côté galère, il y a quand même pire que nous. Ah bah ça c'est sûr, parce que pendant qu'on parle de nos petites misères, il y a beaucoup d'enfants dans le tiers-monde qui meurent de faim. Tu sais que t'aurais fait un curé de choc, toi. Bonjour. Oh, excusez-moi, j'ai un service à vous demander. Vous avez vu Mathilde et Leïla, madame? Non, pourquoi? Elles doivent être dans votre bureau à vous attendre, alors. Elles venaient vous dire que nous, on est comme vous. On les supporte plus, les profs. Comment ça, comme moi? Bah, on voit bien que c'est la guerre. Ils veulent votre peau, ils veulent la nôtre. La nôtre, madame, on a l'habitude. Enfin, la vôtre, c'est quand même beaucoup moins banal. Hein. Faut trouver une solution, madame. Le manifeste, la grève et maintenant les tests, on peut plus travailler dans ce lycée. Et tout ça, c'est parce que les profs sont contre vous. Nous, on a décidé qu'on marchait avec vous. J'apprécie votre solidarité et je vous en remercie. Mais vous savez, personne n'est contre personne. Tout va très vite rentrer dans l'ordre. Faites-moi confiance. Bien, Valentine, faites-moi confiance, les enfants. Demain, il fera jour. Tong, vous avez déjà joué au poker? Oui. Enfin, pas vraiment, non. C'est pas mon truc, le poker. Au poker, celui qui ne sait pas avoir l'air de perdre, il a déjà perdu. Encore une fois, faites-moi confiance. Là, la partie est serrée. Il faut savoir attendre. J'ai pas l'impression qu'on ait vraiment le choix, madame. Non, ni vous, ni moi n'avons le choix. Bon, maintenant, j'ai besoin de gros bras pour m'aider à démarrer ma voiture. Et sur ce coup-là, c'est moi qui vous demande de m'aider. Ça, ça peut pas attendre. Alors? Ouais, ça commence à répondre un peu. En brillant, seconde dès que ça a l'air de prendre. Ok, et vous verrez, lundi, tout sera arrangé au lycée. N'oubliez pas, on est sur le même bateau, je veux pas de vagues, hein. Ouais, c'est bon. C'est bon, merci. Ah bah, comme capitaine, son navire prend un peu l'eau, hein. Comme femme, elle est plutôt fréquentable. Jambes d'acier. Alors, comment tu la trouves? Moi, les voitures, tu sais. Je te remercie pour ton aide précieuse. Je repasserai, monsieur. Allez, viens. On va au ciné. De toute façon, faut que je réfléchisse encore un peu. Mais elle me plaît bien. La couleur rouge, c'est bien, non? Non, moi, je trouve que ça fait un peu pompier. Un peu quoi? Pompier. Pompier? Pompier. Tu vois, tu devrais faire lettre, toi. Tiens, au fait, j'ai revu ta proviseur. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Parce que je suis ton père. Madame Mandler l'a d'ailleurs très bien compris. Il était le même mère de famille. Mais tu sais ça aussi, toi. Elle est mariée, non? Bah, aucune idée. Qu'est-ce que ça peut te faire? Oh, tu pourrais me parler sur un autre ton. Dis, je te trouve un peu agressif, toi, en ce moment, hein? Bah, écoute, en ce moment, je joue gros, hein, voilà. Bon, on accélère, sinon on va rater la séance. On n'est pas bien, là. Oh, si, on est bien. J'ai un célibataire formidable pour toi, un copain génial. Merci. J'ai pas besoin d'emmerdement supplémentaire. À la maison, c'est répondeur 24 heures sur 24 pour éviter les journalistes. Au lycée, je rase les murs pour éviter certains profs. Je me demande si j'ai eu raison de me lancer dans ce métier. Même les guerrières ont besoin de repos. Plutôt qu'un mec, t'as pas un plan voiture? Ma bagnole m'a lâché. La cerise sur le gâteau, je te dis. Y'a qu'à demander. J'ai repéré une bagnole d'enfer, un bijou d'occasion. Au garage du coin, j'ai pas la thune, sinon... Quelle couleur? Rouge, évidemment. Tu sais que tu commences à m'intéresser, toi. Vous êtes sûr que les résultats seront disponibles dès lundi? Pourquoi? Vous manquez de confiance dans le service public? Tout est qui va bosser durant le week-end, vous savez, dur.
Dur ? Je croyais que vos tests étaient bidons. Ah, justement, c'est ça qui nous donne du travail. S'il s'agissait de dépouiller des questionnaires, ça irait très vite, mais là, il s'agit d'éplucher les livrets en parallèle. Pour soumettre au professeur des hypothèses surprenantes, certes, mais plausibles. Bon, j'ai joué franc jeu avec vous. Est-ce que je peux vous demander une faveur ? Probablement. Vous voyez la fille, là-bas ? Là, celle qui a l'air si appliquée ? Au deuxième rang, la rangée du milieu. Beaux yeux ? Voilà, c'est ça. Elle s'appelle Mathilde. Mathilde Collioure. Pour celle-là, s'il vous plaît, évaluez pour de bon ses résultats, sans tricher d'un poil. Hmm? C'est elle dont le cas sème la zizanie chez le professeur ? Oui. Accordé. Pour moi aussi, ce serait un soulagement. Après tout, je ne suis pas plus infaillible que mes administrés. Alors j'aimerais savoir exactement où elle en est, cette petite. Privée de grève, c'est pire que le chômage technique. Je le dis, ça sent l'embrouille. J'avoue que je suis moins frustré que vous, Daniel. J'ai promis un synopsis à mon éditeur pour l'arrière-cour. L'arrière-cour, voyez-vous, formera un diptyque avec l'arrière-ban. Je transposerai dans la sphère publique ce que je n'avais encore analysé que dans l'intime. Je vous en prie, mais vous m'avez déjà raconté ça plus de 20 fois. Voilà, madame, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, monsieur. Bon, les tests se terminent à 5 heures. Vous pensez bien que la classe de TES aura besoin d'un bon coup de balai, hein? Et vous, monsieur Bullier, vous pensez que j'ai que ça à faire? Alors, on opprime le peuple. Bonsoir, madame Angélique. Bonsoir, monsieur. Luquier. Bon, bah, je vais le faire moi-même, hein. Allez, c'est terminé. On pose les stylos. Merci. Mathilde, attends-moi. Laïla, j'ai dit, c'était terminé. Tu poses les stylos. De toute façon, c'est pour la gloire. Et pour la recherche. Bon, voilà, je vous signe la décharge. Mon collaborateur emporte les livrets et vous les ramène personnellement lundi, ça va ? Très bien. Je vous rappelle que tout ceci est strictement confidentiel, ok ? Monsieur Danton, personne ne vous croira dans cette maison, mais figurez-vous que je suis quelquefois capable de la boucler. Ça va. Allez, au revoir. Au revoir. Ah, oh, mais t'agites pas comme ça. J'arrive pas à entendre ton pouls. Alors. Mm-hmm. Ok. Tire la langue. Mm-hmm. Cligne pas comme ça. Tourne la tête. Ma petite cocotte, mais t'as rien de grave, tu stresses comme une folle, voilà tout. Mais le test, si je me plante, je suis morte. On était plus cool en 68, hein. Je vais te donner un petit sucre avec de l'alcool de menthe. Si ça te fait pas de bien, ça fera pas de mal. Non, ça va mieux, je vais me lever. Ta-ta-ta-ta-ta. Y'a pas le feu. Tu devrais être plus douce avec toi-même. Tiens. Si on veut quelque chose très fort, ça doit se réaliser, non? Bien sûr, ma poule. Mon père aussi m'appelle ma poule. Attention ! Mais attention ! Mais quel con, celui-là ! Oh, les rétroviseurs, c'est pas fait pour les chiens ! Ben quoi ? Oh, excusez-moi, monsieur Collioure. Bonjour, madame la proviseure. Bonjour. Je suis désolé, je ne vous avais pas vu. Non, c'est pas grave. Mais sans être indiscret, qu'est-ce que vous faites ici ? Ben, j'ai acheté cette voiture. Ah, moi aussi. Ah bon ? Mais j'étais le premier, hein. Je vais l'essayer, je vous emmène. Allez. Excusez-moi les gars, j'ai été prévenu la dernière minute que Pedro était malade. En plus, ma vieille bagnole m'a lâché, j'ai failli pas venir. Bon, on y va ? Ah non ? Allez, bonjour tout le monde.
Voici donc, mes chers collègues, les premiers résultats de nos évaluations. Il s'agit de mathématiques et de sciences physiques. Le bilan des autres tests nous parviendra un peu plus tard. Bien. Alors, comme convenu, je vous laisserai délibérer entre vous, et puis je reviendrai un peu plus tard, entendre vos remarques et critiques, qui nous seront très précieuses. Oui. Peut-on avoir une idée plus précise des questionnaires, problèmes, méthodes statistiques utilisées? Monsieur Gillard, vous êtes un rapide, vous m'avez devancé. Voici une fiche technique, faites passer, s'il vous plaît. Et puis, les résultats de mathématiques et de sciences physiques. Bien, ils se lisent de A en E. A désignant le meilleur des groupes, comme d'habitude. Et à l'intérieur de chaque groupe, l'ordre n'est pas alphabétique, bien sûr, mais va décroissant suivant les performances. Ainsi, l'on trouve dans le groupe A, Labadie-Nicolas. Normal. Le groupe B par Collioure Mathilde. Tiens, tiens. Le groupe C par Wang Tong, et ainsi de suite. Voilà. Bien, je reviens dans une petite heure. Bon courage. La République des graphiques et des camemberts. Ça roule ? Ça roule. Acte 2, direction les élèves. Vous n'oubliez pas vos engagements pour votre lapide Collioure. Allez, croyez-vous que vous me laisseriez la moindre chance de les oublier? Un petit café? On a le temps, oui. Mais c'est du pipeau, on met pas la vie en boîte. Ça ne nous engage à rien de lire un papier. Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre avec des pourcentages de technocrates obtus. Ah, pas d'accord, hein, pas d'accord du tout. Hein. Je pratique les sciences expérimentales. Elles nous apprennent au moins une chose, l'humilité. Désolé, le qui est, je jette un œil avant de condamner. Ben, regardez le score de Marie Marquez, je la croyais meilleure. Celle-là, j'ai toujours dit qu'elle était surfaite, très surfaite même. C'est vrai qu'elle est belle fille, et que ça compte pour certains. Vous trouvez pas qu'on tourne autour du pot? Et si nous parlions de Mathilde Collioure? Oui, tiens, les grévistes. Elle serait pas dans le groupe B, des fois, Mathilde Collioure? Alors que le jeune Tong, admis en TES, il se retrouve dans le groupe du dessous. Et donc, merci d'avoir participé à cette expérience. Mais qu'est-ce qu'on vaut, madame? Tout ce que je peux vous dire, c'est que le lycée Belgrand n'a pas à rougir de ses élèves. Attendez, la question c'est qu'est-ce qu'on vaut chacun? Je vous ai déjà expliqué que cette évaluation n'a rien de nominal. Elle sert juste à une meilleure compréhension de notre système. Je crois me souvenir que vous aviez peur du contraire. Une sorte de bac déguisé. Voilà, qui devrait vous rassurer. Mais ce qui se passe entre l'élève et l'enseignant n'est pas quantifiable, n'est pas affaire de chiffres, mais de tripes, d'amour! Quand même, cette petite, elle arrête pas de répéter qu'elle a bossé tout l'été pour se mettre à niveau. Viens chez vous, Daniel, à côté, girouette! Eh oui, eh bien oui, mais moi, figurez-vous, je ne suis pas génial. Je n'ai pas la science infuse, j'ai pas gagné le gros lot. Mais je me la prends à la tête. Bah nous aussi, elle nous la prend. Du calme! Du calme, s'il vous plaît! Il s'agit pas de flairer le vent, il s'agit de chercher l'erreur. Nous allons questionner ce monsieur Danton sur sa méthodologie, hein? Madame, s'il vous plaît. Le test, il me sert à rien, moi. Toi, tu vaux une place en TES. J'ai demandé à Monsieur Danton de faire une évaluation nominale pour toi, tu t'en es très bien sorti, n'est-ce pas? Aucun problème d'aptitude. Le grand secret, c'est le travail. Il faut pas lâcher l'effort. Ah, je vais travailler, hein, ça, je le promets. Mais merci, madame. Merci, monsieur. Merci. Bon, on va dans la cage au lion. On va mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Il y a des fois où je sors des conseils, j'en suis malade. C'est une sacrée responsabilité d'évaluer les gosses. Mais précisément, ça mérite le respect, une responsabilité pareille. Ah, oh, bien sûr. Mais ça n'empêche pas qu'on peut se tromper. Je me crois pas infaillible, moi. Le front du refus divise, on dirait. Bonjour. Bon. Jusqu'ici, vous m'avez connu très bavard. Si, si. Pour changer, je vais me taire un peu et vous écouter. Vous nous avez donné à réfléchir, monsieur Danton. Ah bah ça, c'est excellent. Sur quel point, madame? Entre vos évaluations et les nôtres, il y a parfois un gros décalage. C'est rien de le dire. Monsieur Danton, nous sommes scientifiques tous les deux. Oui, ce n'est pas une tare que je sache. Mais franchement, expliquez-moi pourquoi l'élève Roscott que je pratique depuis 2 ans et que je n'ai jamais vu franchir la moyenne se retrouve dans le haut du groupe C chez vous. J'ai toujours pensé que ce gosse n'était pas si mauvais, irrégulier, mais loin d'être sot. Mais vous ne l'avez jamais dit.
Vous aviez l'air si sûr de vous. Monsieur Danton, est-ce que c'est pareil dans les autres lycées pour la différence de notation? Oh, vous savez, ici comme ailleurs, toutes les notations sont approximatives. C'est inévitable. Corriger, orienter, ça n'est pas une science. Non, c'est un art. Vous venez, cher monsieur, d'enfoncer une porte grande ouverte. Oui, enfin, elle n'était pas si ouverte que ça. Il a fallu d'abord un peu l'ouvrir. Bon. Le but de cette expérience n'était pas de tester vos élèves. Pardon? Hein? Comment? De tester qui, alors? Vous. Ou plutôt, la manière dont le jugement des enseignants est sujet à variation. Oui, les résultats que je vous ai soumis sont totalement imaginaires. Les séances de test n'étaient qu'un leurre. C'était bidon, vous vous êtes fichu de nous. Ah non, madame, non, non, certes non, c'était une nécessité de l'expérience. Vous savez, ni vous ni moi n'acceptons volontiers l'idée que notre jugement est relatif et influençable, aussi scrupuleux soit-il. Et on vous paie pour ça au ministère? Eh oui, oui, on est mal, je vous rassure. Vous connaissez la fonction publique. N'empêche, le petit Roscott vaut mieux que ses notes en physique. Eh bien, j'espère qu'au prochain conseil de classe, vous ne garderez plus cette opinion pour vous. La présence de Mathilde Collioure dans le groupe B, c'était un piège. Et vous avez tous marché comme des bleus. Nous avons fait une exception pour Mathilde Collioure. Elle a bel et bien été l'objet d'une évaluation scrupuleuse. Comme ça, rien qu'elle, par hasard, vous nous prenez vraiment pour des billes. Non, madame Zarka, c'est moi qui ai demandé à monsieur Danton de traiter son cas à part. Oui, je crois que nous avions besoin tous d'un regard extérieur. Et puis, j'ai été un peu vite en besogne. Heureux de vous l'entendre dire, madame la proviseure. Mais moi aussi, j'avais besoin d'être fixée. Parce que n'oubliez pas, c'est contre mon propre jugement que cette expérience se serait d'abord retournée, non? Mais Gilles, vous devriez être comblée, vous qui adorez les démonstrations. Monsieur Danton nous démontre que nous sommes faillibles, et madame la proviseure que la petite Collioure a les moyens de suivre. À partir d'aujourd'hui, je ne crois que ce que je vois. Bien, voici les tests de la petite Collioure, monsieur Gillard, jugez par vous-même. Eh bien, moi, je ne vais pas me laisser manipuler. On va m'entendre à la télévision. Il n'en est pas question, le qui est. Moi, ça va danser, ça c'est clair. Mais interdit aux adultes. Je crois que c'est au point, là. Super flash. Ah, je crois pas qu'à votre fête, on va chanter « Il est né le divin enfant ». Oh non, oh non. Il est né le divin. Non, bon, ouais, ouais, un, check, check. Bon, les résultats du premier bac blanc de l'année sont au mieux un encouragement au travail. Un avertissement pour passer la vitesse supérieure. Marquez, 14,5. C'est bien, continuez. Merci, monsieur. Labadi, 14. Honorable, merci. Certes, mais d'habitude, vous valez mieux. Hein. Perretier, 12,5. Merci. 12. 12. Pas mal, mademoiselle Collioure. N'affaiblissez pas. Bon, il va falloir penser à profiter de vos vacances pour travailler, hein, parce que j'en ai encore beaucoup sous la moyenne. Hein. Il dit, c'est pas bientôt fini de jeter des chevaux. Oh, je me souviens jamais des blagues. Vous vous souvenez des blagues? Oui, mais non, c'est pareil. On n'a pas oublié. Mais oui, c'est ça, exactement. Je peux? Ah. Oui, c'est... Oh, bah, je vous en prie. Et oh, quel honneur, monsieur Le Quai. Je vous en prie, madame le proviseur. Pardon, là. La proviseur. Vous partez à la montagne? Non, j'écris. Une autre façon de se lancer dans le vide. Mon passage à la télévision m'a inspiré l'idée d'un petit pamphlet acide. Je pourrais appeler cela l'horreur médiatique. Quelque chose d'impitoyable contre, comment dire, la tyrannie du spot. Du quoi? Du spot. Ah, bien. Ça vous permettra de repasser à la télé. Pendant l'émission, vous avez finalement été très pacifique, ça c'est sûr. On vous redemandera.
Oh là là, forcément, je filme. Oui, bon, j'aurais adoré entendre la suite, monsieur Lequier, mais il faut vraiment que je sois. Bon, je me sauve. Ah, Emmanuel, je pense à vous pour votre matériel. Entendez. Au revoir, madame la professeure. Finalement, elle finit mieux le trimestre qu'elle n'avait commencé, non? Attention, Lequier, vous êtes sous le charme. Mon sac, maman, j'ai l'air de quoi? Bah, t'as l'air d'un fils à sa maman. Tiens, tiens-le, ton sac. Tu m'appelles dès que t'es arrivée chez mamie? Mais oui, hein? Faut que je me dépêche, sinon papa va pas être content. Bah, embrasse-moi. Allez, au revoir, mon chéri. Qu'est-ce que tu vas faire à Noël? Bah, je sais pas, mais je trouverai bien. Okay. Bon, t'embrasses tes grands-parents pour moi? Ok, okay, ciao. Au revoir, madame. Ah, au revoir, bonnes vacances. On dîne ensemble ce soir? Madame la proviseure, s'il vous plaît. Oh, bonjour, monsieur Collier. Bonjour. Est-ce que je peux vous voir une minute? Comment ça va, ma poule? Comme quelqu'un qui part au ski. Avec ton père? Non. Avec tes copains. Wow. Hein? Pas de folie, hein? Non, jamais. Salut. Salut. Alors, ce dîner? Je peux pas, j'ai rendez-vous. Une soirée cassoulet. Est-ce bien raisonnable?